Bonjour, donc je suis Corinne Gouget, je suis l'auteur du livre Additifs alimentaires d'Angers qui a été édité en 14 éditions en français et qui arrivait à 175 000 exemplaires. Donc je suis passionnée par le sujet des additifs alimentaires depuis 19 ans et à l'époque j'étais future maman en Angleterre et j'ai découvert un article de 3 pages dans un magazine féminin sur les fameux E, 124, 621, etc. Et E, donc c'est pour Europe. Et après, on met 3 chiffres ou 4 pour désigner un additif. Donc, j'ai commencé à éplucher les étiquettes de ce que je mangeais à l'époque quotidiennement. J'ai aussi compris qu'étant enceinte, il fallait que j'évite certains additifs alimentaires dangereux pour l'enfant que je portais. Et je me suis mise à cuisiner absolument tout ce que je mangeais, des quiches, au sorbet, au gâteau, tout ça de manière traditionnelle. Et donc, c'est une passion qui ne m'a jamais lâchée. Et, sauf que dans les références que j'utilisais, on ne parlait pas d'aspartame. Et ce n'est qu'en 2003, après des années très très difficiles, que j'ai brutalement découvert la vérité sur l'aspartame, on va dire que j'ai découvert la vérité à dose homéopathique. Et d'abord un début de vérité, 25 effets secondaires, puis les 92, et puis en 2005, on m'a offert ce livre imposant qui fait 1020 pages et qui s'appellerait en français « La maladie de l'aspartame, une épidémie ignorée ». Le scientifique qui a écrit ce livre a étudié les effets de l'aspartame sur ses patients pendant plus de 25 ans. Il a rédigé ce livre avec 1300 cas d'êtres humains qui ont eu des effets secondaires, qui partent de la migraine à la crise d'épilepsie, à la tumeur au cerveau, à l'endormissement volant, à la rupture d'anévrisme, anorexie, l'obésité, la dépression, etc. Donc il a édité ce livre en 2001-2002 et en France on n'en parle pas. Et donc malheureusement, le docteur H.G. Roberts, ancien diabétologue et endocrinologue, nous a quittés il y a 3 semaines. Il est mort à 88 ans de problèmes cardiaques. Et nous espérons que son livre et son travail puissent encore sauver des milliers de vies, comme cela a déjà fait. Je suis assez triste qu'il soit décédé, puisqu'il a été filmé par une journaliste française très connue et qu'il n'a pas été inclus dans son film, qui s'appelait « Notre poison quotidien ». Donc voilà, mon livre est aussi édité en hollandais, où on en est à 150 000 exemplaires, il y a 6 ans, en espagnol, en italien, et la dernière version, c'est la version roumaine, avec un joli petit garçon qui mange une magnifique sucette colorée. Et donc j'aime bien la couverture de celui-là aussi. Mais l'idée, c'est de pouvoir permettre aux consommateurs non avertis de décrypter les étiquettes, parce qu'effectivement, il faut souvent une loupe. Tout ça, c'est écrit en minuscules. Si on prend l'exemple de ces horribles petits friandises, ben là, vous avez le mot Big Ben écrit en gros. C'est des imitations de petits bonbons bien connus, mais moins chers. Et là, pour lire ça sans loupe, là, derrière, c'est pas facile. Donc, il faut une loupe. Et pour découvrir avec quelle colorance on s'est fabriqué. Donc, si on cherche un peu, on va chercher, il y a plusieurs langues, on s'est malheureusement vendu dans de nombreux pays. Alors, cacahuètes, on s'en doute, il y en a 29%. Enrobé de chocolat au lait, 48%. Dragéfié, donc ingrédients sucre, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, parce que c'est au début. Je vais essayer de trouver. Cacahuètes, beurre de cacao, lait entier en poudre, donc il y a des traces d'OGM, parce que c'est du lait industriel. Lactose, pâte de cacao, ça c'est moins dangereux. Amidon de riz, c'est moins dangereux aussi. Émulsifiant, lécithine de soja. Donc là, même le professeur Gilles-Éric Serralini va parler de traces d'OGM, parce que ça sera du soja transgénique. E476, sirop de glucose, ça c'est pour faire grossir. Cire de carnauba, sel de cuisine, c'est très rare de voir ça. On voit sel, mais sel de cuisine. On se demande si c'est pas du sel iodé ou fluoré. Maltodextrine, c'est une source de glutamate monosodique. Dans la maltodextrine, le glutamate libre qui va provoquer l'addiction. Cacao, 25% minimum. Peut contenir des traces de noyaux divers et gluten. Ça, c'est pour les allergiques. Et en général, sur ce genre de paquet, on voit les colorants à la fin de l'étiquette internationale. Et là, ils sont bien cachés. Ah, si, ils sont là. Ouhou. Voilà, on a carrément E100, qui est un colorant pas dangereux. E120, c'est un colorant rouge, qui est comme ça. E141, E153, je crois que ça doit être un bleu. E162 et E163. Donc on va regarder dans le livre. Il y en a beaucoup.
Et celui qui est au milieu, en général, c'est du dioxyde de titane qui ne semble même pas marqué sur l'étiquette. Là, c'est grave. Donc, E100, c'est de la curcumine, colorant jaune d'origine végétale. Donc, ça va être celui-là. Après, on a donc du E120. Là, c'est moins drôle. C'est la cochenille, colorant dérivé souvent d'insectes écrasés ou chimiques. Les résultats de ces recherches sur les effets secondaires à long terme sur le système reproductif et le métabolisme ne sont pas encore disponibles à ce jour et ils pourraient être cancérigènes et mutagènes. En général, c'est de l'hyperactivité, de l'asthme, de l'eczéma, des insomnies, etc. Et très, très utilisé. J'ai vu un monsieur ce matin qui a acheté mon livre il y a 4 ans et qui prenait un médicament avec un colorant. Et à chaque fois qu'il prenait ce médicament, il faisait de l'asthme. Et en trouvant les références dans mon livre, il a arrêté ce médicament pour prendre autre chose et il ne faisait plus d'asthme. Quand même impressionnant. Mais c'est un monsieur d'un certain âge. Donc après, on a encore du E141. Donc là, il faut être vraiment... C'est un complexe cuivrique dérivé de la chlorophylle et de la chlorophylline. Donc les rapports sont contradictoires et à forte contenance de cuivre. Risque, asthme, réaction cutanée, allergie respiratoire. On va dire que ça doit être à peu près cette couleur-là, orange. Et après, on a encore du E153, charbon végétal médicinal, donc colorant noir, qui serait dérivé de cendres végétales, souvent considéré comme inoffensif, mais avec des rapports contradictoires. E162, alors, rouge de betterave. Donc voilà, donc là encore, on va dire, c'est le moins dangereux. Et on a E163, c'est colorant entre le rose, le violet et le bleu, dérivé de fruits et de légumes. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup dans ce produit, c'est que le colorant blanc qu'il y a entre le chocolat et le colorant orange ici, eh ben, il n'est pas marqué nulle part. Et en général, c'est du dioxyde de titane qui est de plus en plus dénoncé comme contenant des nanoparticules, chers amis. Colorant blanc, combinaison de deux atomes d'oxygène avec ce métal. Aucune étude à ce jour n'a prouvé que cet additif ne soit pas cancérigène. Donc sur les fameuses cacahuètes rajeviées avec un petit M sur le dessus, là on met du dioxyde de titane pour pouvoir pulvériser le colorant par la suite et avoir cette jolie petite lettre M sur le devant. Et on voit des gens dévorer des sacs entiers. Donc là, ça s'appelle le Big Ben. Évidemment, si vous mangez tout le paquet avec le soja qu'il y a dedans, les produits laitiers, les arômes, etc., vous pourrez devenir un Big Ben vous-même. Mais bon, on va pas le dire. Donc je ne sais pas combien ça coûte ça, mais voilà. Sans colorant artificiel, il faudrait aller prouver que c'est pas de la cochenille industrielle ou que ça soit vraiment des insectes écrasés. Mais bon, ça me donne pas vraiment envie d'en manger. Donc voilà un exemple où il faut vraiment une loupe pour lire ces choses-là. Concernant l'aspartame, vous avez ici donc la photo du docteur H.G. Roberts que vous pourrez encore voir et entendre dans le film « Faux sucre, vrai scandale » sur Internet. Et donc, c'est cet expert qui a écrit cet énorme pavé, comme on dit souvent. Et donc, il était endocrinologue et diabétologue. Et dans ce livre, à la page 550 à peu près, il y avait un questionnaire qui s'appelle Survey Questionnaire pour les victimes de l'aspartame. Et ce questionnaire, il se retrouve maintenant dans mon site en français et il s'appelle Intoxication à l'aspartame. Donc, on prend de l'aspartame pour maigrir, parce qu'on est diabétique, pour éviter le sucre, pour X raisons. On commence souvent, malheureusement, par des choses comme ça que tout le monde connaît. La boîte est tellement vieille qu'on ne voit plus les ingrédients derrière. Et on finit, sinon, par des petites sucrètes moins chères. Ou il y en a plus, c'est plus dosé. Moins c'est cher, plus il y en aura. Malheureusement, des mamans ou des enfants pensent bien faire pour éviter l'aspartame qui commence quand même à être dénoncé depuis plusieurs années en utilisant de tels chewing-gums. Et là, en tout petit, en exhausteur de goût, alors que c'est un édulcorant, on va trouver le moins aspartame. Et là, ça ne va pas. Donc, les effets de l'aspartame sont d'abord neurotoxique, c'est-à-dire qu'à chaque dose, il ne faut pas attendre de boire 30 canettes par jour, à chaque fois qu'on prend un chewing-gum, une boisson light, une sucrète, l'aspartame se dégrade dans le corps à partir de 30 degrés, va par les chewing-gums et les bonbons, le professeur Robert disait, c'est comme si on consommait de la nitroglycérine sous la langue, ça va directement dans le cerveau par les chewing-gums et les bonbons, des millions de chewing-gums sont consommés par jour, et des millions de bonbons soi-disant bienfaisants sont consommés par jour en France par des enfants aujourd'hui, des 8 ans qui prennent ça dans la voiture avec papa ou maman, ou des personnes âgées qui consomment ça pendant des années. Donc à chaque fois qu'on prend une dose d'aspartame, cette molécule est capable d'aller exciter les neurones du cerveau en traversant la membrane censée protéger le cerveau, et on appelle ça la membrane hémato-encéphalique. Et là,
va exciter les neurones pour le faire exploser pendant 1 heure à 12 heures et les dégâts commencent 2 heures après ingestion environ. Donc le neurone est immédiatement excité, il gonfle, il explose et après ben, il reste plus grand chose. On a des milliards de neurones, je vous rassure, mais si on commence à les attaquer dès le plus jeune âge, on se retrouve comme en France aujourd'hui avec des jeunes de 20 ans qui ont Parkinson et Alzheimer en même temps ou une des deux maladies en France depuis 2-3 ans. Et ça, je n'arrive pas à convaincre les neurologues dans les hôpitaux à Paris, car eux-mêmes consomment des boissons light et ne veulent pas m'écouter. Donc on arrive à des pathologies comme AVC, épilepsie. On a juste 64 000 enfants épileptiques en France aujourd'hui. C'est une maladie qui touchait peu d'enfants il y a 40 ans. Et on ne va pas informer les spécialistes de cette maladie qui s'occupent de ces enfants. Par contre, on va former les instituteurs et institutrices à gérer des crises d'épilepsie chez ces élèves. Voilà. On parle aussi malheureusement beaucoup de l'AVC du nourrisson. Donc là, dans ce livre qui a un an, qui est écrit par le professeur Woodrow Monté. Donc ça s'appelle « While science sleeps, a sweetener kills »,« Pendant que la science dort, un édulcorant tue ». C'est clair, il ne peut pas faire mieux. Donc cet expert est un passionné des maladies modernes, qu'il a étudié pendant des années toute sa vie. Et donc il a spécialement étudié les effets du méthanol. Le méthanol, on le voit le retrouver dans les cigarettes. Quand on fume une cigarette ou un cigare, un peu moins, on respire du méthanol. Quand on boit des jus de fruits, myrtille, tomate, pomme, tout, jus de fruits, tout ce qui est légumes aussi en boîte, on consomme un peu de méthanol. Mais surtout, quand on prend de l'aspartame, c'est la source la plus importante, parce que c'est 10% de la molécule, et que ce méthanol, progressivement, c'est assez rapide pour l'aspartame, c'est 30 minutes après ingestion, se dégrade en formaldéhyde dans le foie, dans le cerveau, et ce formaldéhyde se dégrade en acide formique. Donc, en 1984-85, le professeur Woodrow Monté est passé à la télé, aux États-Unis bien sûr, et il a parlé de ce problème de méthanol lié aussi à l'aspartame qui venait d'être sur le marché depuis 81 dans les produits secs et 83 dans les sodas. Et une femme qui était tombée enceinte l'été 84, il faisait très chaud cet été-là, et donc elle a bu 2 litres de soda light connu par jour pendant sa grossesse. Et elle a donné naissance à une petite fille avec les bras un peu atrophiés et la tête complètement déformée par le méthanol sans le savoir. Cette petite fille était en vie lorsqu'elle est née. Mais en fait, elle a fait un malaise. Elle est née sourde et aveugle et elle est morte. Et on a confié une photo à cette petite fille qui se rappelait Joy à la maman. Et la maman a vu le professeur Monté à la télé. Et elle a compris pourquoi son enfant était mort. Joy aurait eu 27 ans, malheureusement. Et elle est partie chercher l'adresse du professeur Monté pour prendre rendez-vous. Le jour où elle est arrivée dans son bureau, elle était en pleurs avec une bouteille vide de soda light à la main et une enveloppe jaune. Et quand elle a ouvert l'enveloppe, cette photo est tombée par terre et elle a laissé la photo de Joy au professeur Woodrow Monté. Je vais vous la montrer car vous avez le droit de savoir. Je lisais ce livre en janvier 2012. Et la même semaine, je suis partie dans un supermarché prendre des photos de ces petites boîtes ridicules. Et une femme est arrivée avec un caddie, comme ça. Une jeune fille de 13-14 ans qui tenait le caddie avec elle, avec une tête déformée, qui bavait, même pas trisomique, avec un crâne déformé et qui ne pouvait pas parler. Et j'ai tourné la tête, c'était très dérangeant de voir un enfant avec une tête pareille. Et cette femme était en surpoids, avec des bottements au niveau des hanches, les cheveux abîmés, des kilos en trop, la peau toute abîmée aussi. Et elle s'est agrippée juste à 20 cm de moi à l'étagère pour aller prendre sa recharge de ça. Et j'étais choquée, je pensais à ce livre, je pensais à cette photo de Joy. Et je voyais cet enfant du coin de l'œil, je disais « Ah, c'est pas possible ce que je vois ». Et cette femme, je lui dis « Excusez-moi madame, faut pas manger ça, c'est pas bon pour la santé ». Je suis conférencière et on essaye à plusieurs personnes d'interdire l'aspartame dans le monde. Il me dit « Écoutez, ça fait 15 ans que j'en prends dans mon café tous les matins, je vais pas m'arrêter, je m'arrêterai que quand ça sera interdit ». Donc agressive, etc. Ça fait des années qu'elle en prend, donc 15 ans tous les jours. Et c'est pour ça qu'elle a dû en prendre pendant la grossesse, que sa fille est complètement cérébralement déformée physiquement et mentalement. Et donc, je n'ai rien pu dire. Elle a pris sa recharge, elle l'a jetée dans son caddie. Elle a fait 5 mètres, c'était en janvier. Et une amie à elle s'arrête et lui dit « Ah bonjour, comment ça va? Bonne année et surtout bonne santé !» Et elle me dit « Ah, la santé, c'est trop tard !» Et j'étais vraiment choquée de me dire « Mais pourquoi on a laissé faire ça ?» On sait pourquoi, mais... Et j'ai appelé le professeur Woodrow Monté aux États-Unis et je lui ai raconté ce que j'ai vu. Il me dit « Corinne, j'en vois plein aussi ». Et c'est malheureux de voir des enfants, des êtres humains handicapés à vie à cause de cette molécule consommée pendant la grossesse. Donc j'ai montré cette photo et ce livre à certaines personnes du ministère de la Santé le 28 mars dernier. Ils ont tourné la tête et ils n'ont rien fait pour prévenir des millions de Français innocents qui ne sont pas bilingues. Je suis désolée, la photo n'est pas très belle.
Mais il faut que les gens sachent ce que peut faire l'aspartame. Voici Joy, petite fille qui est morte le jour de sa naissance, donc, à cause de l'aspartame consommé à 2 litres par jour dans des Soda Light par sa maman pendant la grossesse. Le docteur Roberts, quand il passait à la radio aux États-Unis, parlait de génocide. Et je soupçonne qu'il a tenu les mêmes propos devant cette célèbre journaliste française lorsqu'elle a interviewé en 2009, et que ce n'est pas dans le film. Et je suis vraiment déçue parce que maintenant qu'il est décédé, il est évident qu'il ne fera plus d'interview. Maintenant, je vais vous montrer aussi les dessins du livre du docteur Blaylock. Donc ça, le docteur Blaylock, c'était cet expert qui est aussi dans mes relations. Le docteur Blaylock est un ancien neurochirurgien, nutritionniste de pointe, qui s'était intéressé aux excitotoxines, ces molécules qui détruisent les neurones, après des années de lecture d'études scientifiques et de recherches, parce qu'il avait trouvé ce livre-là il y a plus de 22 ans, qui s'appelle « Le mauvais goût du syndrome du glutamate monosodique ». Donc ce livre a plus de 22 ans. Donc du coup, il s'est mis à écrire celui-ci, qui est sorti en 1997, avec pas plus de 493 références scientifiques. Il a fait exprès de mettre un maximum de références, qui sont toutes à la fin, pour ne pas être attaqué. Alors il a subi certaines pressions au départ, et puis on n'a pas brûlé sa maison, on n'a pas cassé sa famille, on l'a pas tué. Mais il y a eu aussi des interviews boycottées, des articles de presse annulés, etc. Et ça fait depuis plus de 20 ans qu'il fait des conférences sur ce sujet. Maintenant, aujourd'hui, il dénonce aussi le fluor, les vaccins, les traînées dentielles, etc. Mais c'est un homme extraordinaire qui a fait beaucoup de conférences, de vidéos, qui est aussi dans ce film « Faux sucre, vrai scandale ». Et dont le papa est décédé de la maladie de Parkinson. Le mien aussi a cette terrible maladie. Et lui, c'était surtout à cause du glutamate monosodique dont on va parler, de ces petits plats en boîte dont mon père raffolait. Et il en mangeait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ça fait 20 ans que mon père est victime de cette maladie qui est assez terrible. Donc dans ce livre, on voit les effets du glutamate au bout de 2 heures sur les neurones. C'est un livre entièrement en anglais et assez médical, donc j'ai trouvé personne pour le traduire. Donc ça, c'est à forte concentration. La forte concentration, ça sera une boîte entière de chips. Faible concentration, ça sera quelques chewing-gums, un bouillon cube dans une sauce, etc. Donc là, vous avez le neurone est excité. Effet immédiat, il gonfle. Là, c'est à forte dose. Là, c'est à faible dose, il est un peu excité. Là, il est toujours pareil au bout d'une heure. Là, il a explosé. Et puis, au bout de 2 heures, il reste plus grand-chose du neurone. Donc, du coup, il est évident qu'il est préférable d'éviter de consommer ces excitotoxines rajoutées en excès dans la nourriture industrielle. Et on estime aux États-Unis que ces excitotoxines, surtout celles-là que je vais vous montrer, le glutamate monosodique ou E621, est présent dans plus de 95% des aliments industriels. Donc, qu'est-ce qui reste à manger dans des élevages industriels pour humains, on va dire, rien. Et la chose la plus grave, c'est que certains fertilisants contiennent 30% de glutamate monosodique et sont pulvérisés sur des fraises ou du raisin, par exemple, qui, par la suite, dans les confitures de fraises ou le raisin qui est fait transformer en vin, on peut retrouver des traces de glutamate monosodique. Donc certains Américains qui sont friands des spécialités culinaires européennes viennent en vacances en Espagne, achètent du vin ou passent en France acheter de la confiture, par exemple, et rentrent aux États-Unis avec ces produits. Et quand ils en consomment, ils réagissent au glutamate monosodique sans savoir qu'ils en ont consommé, puisque c'était dans le fertilisant. C'est affolant. Donc si vous allez sur mon site qui est www.santéendanger.net, vous allez dans la rubrique vidéo mes articles. Et dans mes articles, il y en a un qui a été écrit pour Cousmine et qui s'appelle « Les excitotoxines, vous en mangez peut-être tous les jours sans savoir ». Et là, j'explique bien les effets secondaires, les références, etc. et l'histoire de ce fertilisant qui contient 30% de glutamate monosodique. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Jack Samuels, un très bon ami à moi qui est décédé il y a un an aussi d'un problème cardiaque, et qui avait survécu 30 fois une intoxication au glutamate, Jack Samuels m'expliquait qu'en fait, c'était vraiment très très grave ce qui se passait dans la nourriture et qu'il fallait alerter le plus grand nombre de personnes possible. Et les dégâts neurologiques au niveau du glutamate monosodique peuvent durer entre 1 heure à 48 heures après chaque dose. Donc si vous prenez des adorables petites boîtes de plats préparés, vous avez des fois 5 à 6 sources de glutamate monosodique différentes dans le même plat. Le but, comme le dit le docteur Blaylock, c'est de donner du goût à quelque chose qui n'en a pas, qui garantit 1 an, 2 ans, voire plus dans la boîte, et qui, sans ça, n'aurait pas envie d'en manger. Si vous cuisinez des lentilles vous-même,
avec une saucisse de Strasbourg, si possible, sans sulfite et sans colorant et sans glutamate. Vous mettez ça dans un bocal pendant 3-4 jours, même une semaine, ça commence à moisir, c'est évident. Donc là, on va rajouter des conservateurs et puis des fois des colorants dans la saucisse. Et puis, quand vous allez ouvrir la boîte, il y a marqué engagement, qualité, viande d'origine contrôlée. Bon, on ne savait pas s'il y a du cheval dans la saucisse, mais bon, voilà. Source de vitalité. Je suis désolée, ça, c'est de la tromperie aggravée. On ne peut pas avoir de la vitalité après avoir consommé un produit avec 6 sources de glutamate monosodique. Les premiers symptômes, 15 minutes après ingestion, si on est allergique, ça va être des nausées, envie de dormir, des vertiges, des envies de vomir, des migraines, et ou des éruptions cutanées sur le visage, voire œdème de Quint, genre gonflement de la langue et de la bouche ou du visage, et là la personne commence à s'étouffer. Donc ceux qui sont allergiques ont de la chance, entre guillemets, ils sont obligés de cuisiner tout ce qu'ils consomment, et surtout éviter aussi l'extrait de levure dans les produits bio qui sont aussi du glutamate monosodique. C'est affolant. Donc ça, il vaut mieux éviter. On ne peut pas avoir de vitalité après ça. Mais ils ont été plus loin. Ils ont fait format croquette pour chien, pâté pour chien. Format familial, on va dire. J'en donnerai même pas à mon chien. Et là, les enfants, l'enfant qui m'a donné ça a mangé ça avec sa sœur, son frère, sa maman. Et on dit que c'est un traiteur depuis 1898. Donc là, si on voit les ingrédients, sauce, eau, sein doux, concentré de tomate, farine de blé, sel, sucre, gomme de goire, arôme. Dans l'arôme, il peut y avoir 3 fois du glutamate monosodique, qui sont au pluriel. Exhausteur de goût, glutamate de sodium, donc ça fait déjà 2 fois, si ce n'est pas 4. Haricots blancs précuits, on s'en doute. Charcuterie, viande, 22%. Saucisse fumée, saucisson maigre de tête, porc, eau, gras de porc, viande de dinde, viande de porc, farine de blé, fibres de pois, protéines de soja, sûrement transgénique. Couenne de porc gélifiant E407A, protéines de lait, épaules de porc préparées en salaison, conservateur E250, sinon ça pourrit. E316, stabilisant, stabilisant ditripolyphosphate. Et ça, c'est censé être un plat familial avec moins de sel. Je préfère rigoler parce que... Donc, j'en donnerai même pas à mon chien, même si quand j'ouvre des boîtes que j'achète des fois pour les prendre en photo, rien qu'à l'odeur du glutamate, ma chienne est toute excitée, elle me suit partout, elle sent ça dans la pièce et je m'empresse vite de mettre ça à la poubelle et fermer le sac et aller le mettre dehors. Parce que c'est, rien qu'à l'odeur, ça rend un peu excitée. Donc, c'est aussi dans cette boîte de... chips, c'est très connu. J'ai acheté la boîte exprès parce que là, il y a quand même de l'abus. Exploding cheese and chili. Goût explosif au chili et au fromage. Avec même un thermomètre qui vous montre que c'est vraiment, si vous arrivez là, il faut éteindre le feu. Il y a même un extincteur. Et donc, bursting with more flavor, ça veut dire que ça explose avec plus de goût. Et c'est, comme vous vous en doutez maintenant, c'est pas le goût qui explose, c'est vos neurones. Et avec une boîte comme ça, selon de nombreuses recherches, on peut aussi faire un arrêt cardiaque quelques heures après avoir ingéré une boîte entière. C'est affolant. Le but, c'est de donner du goût. Si vous allez sur YouTube, sur Internet, et YouTube, et vous tapez la vérité sur le glutamate monosodique, vous verrez une vidéo qui dure 13 minutes, sous-titrée en français par un de mes amis, et qui a été diffusée à la télé en 1991 aux États-Unis, et après en janvier 92. Si cette vidéo avait été rapportée par les médias français à la télévision à l'époque, nous aurions moins d'arrêt cardiaque, d'AVC, d'obésité, nous aurions moins d'enfants hyperactifs ou dérangés, nous aurions moins de Parkinson et d'Alzheimer, entre autres, voire des cancers. Car l'aspartame peut déclencher un cancer et le glutamate le fait grossir comme un feu de paille, car la tumeur cancéreuse, selon le professeur Blaylock, se nourrit de glutamate monosodique. Or, qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux? On ne nous donne surtout pas de conseils en nutrition. Quand la personne sort de son cancer et rentre à la maison, pour lui faire la fête, on va lui cuisiner un plat avec des bouillons cubes, on va lui donner une soupe en sachet ou des chips pour faire la fête et des bonbons. Certains enfants, maintenant qui sont grands, ont aussi offert des petits bonbons aux plantes bienfaisantes à leurs parents ou des chewing-gums menteurs gommes. Et là, le cancer revient et la personne décède quelques mois, voire quelques années plus tard. Et après, les enfants disent « j'ai empoisonné mon père ou ma mère ». Mais ce n'est pas leur faute. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme histoire? L'histoire de Blanche-Neige que j'utilise avec les enfants. Quand je fais des ateliers pour enfants, parce que je n'explique pas la même chose aux enfants qu'aux parents, d'où l'intérêt de faire un atelier pour enfants, par exemple, un vendredi après-midi dans une école maternelle, primaire, un collège ou un lycée. Et le soir, si nous avons une pièce à disposition, faire une conférence pour les parents. Donc pour les enfants, j'utilise cette histoire avec la sorcière. Pourquoi la sorcière fait la pomme? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle n'est pas belle? Est-ce qu'elle est intelligente? Est-ce qu'elle n'est pas intelligente? Pourquoi elle ne mange pas sa pomme? Et après, on passe à Blanche-Neige qui la mange, parce qu'on lui ment.
Et Blanche Neige tombe par terre, s'endort pendant des années, soi-disant, jusqu'au jour où le prince charmant vient l'embrasser et elle se réveille. Donc les enfants rigolent, quand on parle du prince, ils font Donc voilà. Et j'explique aux enfants après, vous êtes tous des princes et des princesses, vos parents vous aiment, et pour vous faire plaisir, ils vont vous acheter une petite sucette qui tache la langue, des petits bonbons pour vous faire plaisir, des petites chips pour l'apéritif, voire des bonbons gélifiés. Parce que les parents ne savent pas ce qu'il y a dans ces produits. Là, il devrait y avoir les ingrédients sur le papier, là où c'est plissé. Ils n'y sont pas. C'est pas vraiment légal. Et le temps qu'on ait enlevé le papier, de toute façon, on n'irait pas le lire et on a déjà la sucette dans la bouche. Ce colorant, c'est du E133, le brillant FCF, qui est toxique. Et dans les années 70, il a été injecté dans la peau de rats et ça a provoqué des cancers au point d'ingestion. On dit rien ? On laisse faire. Donc, c'est un colorant qui a envie de sucer ça. Ça fait penser au ciel, de vacances, à la plage, au bleu, ça détend. Et l'enfant va avoir très rapidement la langue bleue, la salive bleue, les gencives bleues, les lèvres bleues, et il rigole. Selon le colorant, il faut bien expliquer que c'est le même utilisé dans des petits gels douche qu'on distribue gratuitement dans certains hôtels. C'est la même couleur, sauf que ce n'est pas le même code. Donc, dans la nourriture, c'est E133 ou bleu brillant FCF, quand ils mettent le nom et pas le code. Ou dans les cosmétiques comme ce petit gel douche gratuit du CI42090. Colorant bleu de synthèse utilisé dans des tonnes de bonbons, de sucettes, de chewing-gum, de cosmétiques, de médicaments. Risque hyperactivité, asthme, urticaire, insomnie et cancer. Mélangé au E621, ce colorant devient 4 fois plus dangereux. Et on en met dans des tonnes de bonbons pour enfants. Il y a un problème. Donc après on va dire, il y a de plus en plus de cancer de l'estomac chez les enfants. Ou de cancer en général de l'enfant. Mais l'enfant, on va lui offrir des repas au McDonald's dès qu'il a fini sa maladie, ou on va lui donner des bonbons parce qu'il a souffert. Moi, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de ce que je vois. Absolument dégoûtée. Mais quand vous voyez une petite fille qui arrive à mon stand, « Ah, c'est quoi toutes ces boîtes de chewing-gum ? » Elle a plus de cheveux, elle a plus de sourcils, elle a sous chimiothérapie, elle a un foulard à fleurs pour cacher sa calvitie. Et le papa et la maman sont là avec la petite sœur et le grand frère. Ils ont la misère sur le visage, parce que c'est très dur de vivre une épreuve pareille avec un enfant atteint d'une tumeur au cerveau. Et je regarde le papa, je dis, excusez-moi, c'est votre enfant ? Oui, oui, elle mâche beaucoup les chewing-gums, elle mâche que ça. Vous avez envie d'hurler, de crier, vous regardez le ciel, il fait beau, vous êtes dehors. Et vous expliquez l'histoire de la Blanche-Neige à la petite fille, vous montrez les effets secondaires de l'aspartame à la maman, et vous expliquez à la petite fille qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus jamais qu'elle mâche un chewing-gum de la sorcière qui a fabriqué ça, parce que la sorcière n'en mâche pas. Et la petite fille, elle vous fait un grand sourire, il ne reste plus que sa bouche qui est rose et ses yeux bleus, en couleur sur son visage. Et le lendemain, elle vous revoit, elle vous fait un sourire extraordinaire, et je ne sais même pas si elle a survécu son cancer, parce que les techniques utilisées pour, soi-disant, guérir les enfants ne sont pas toujours les meilleures. Donc Corinne Gouget, elle en a marre de voir des jeunes filles qui ont perdu leur papa à cause de bonbons comme ça, d'une rupture d'anévrisme. J'ai vu une dame aujourd'hui qui a sa maman qui en a pris des années, qui a Alzheimer maintenant, qui est en maison de retraite et qui en consomme encore. Et elle ne savait pas. Je vois des gens qui ont Parkinson, qui ont mangé des tonnes et des tonnes pendant 10-15 ans, des enfants qui en demandent. Donc après, on s'étonne qu'il y a des AVC chez les jeunes, qu'il y a des tumeurs au cerveau, qu'il y a des leucémies, qu'il y a des cancers de différentes sortes. C'est absolument insupportable. Ici, vous avez un expert qui s'appelle Dr. Ralph Walton. Et comme vous le voyez, il est psychiatre. Il faut vraiment aller voir ce film Faux sucre et scandale, parce que ce professeur en psychiatrie qui est un ami, s'occupe de gens avec des troubles psychiatriques aggravés ou provoqués par l'aspartame depuis 1985. Je répète, 1985. Et en France, on ne dit rien. Qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux psychiatriques pour adolescents ? On leur laisse utiliser ça dans leur café le matin et ils mâchent des chewing-gums et l'après-midi, ils se tapent la tête sur les murs. Et on leur donne quoi ? Des antidépresseurs qui interagissent avec l'aspartame, comme l'aspartame qui interagit avec les vaccins et qui interagit avec les métaux lourds. Métaux lourds, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'aluminium dans la casserole, dans le déodorant, c'est les métaux lourds que les dentistes vous mettent dans les dents avec le mercure, c'est différentes origines pour les métaux lourds. Et donc, on ne dit rien et on en absorbe et après, ça se mélange avec les bonbons ou les chewing-gums qu'on mâche et on devient intoxiqué en plus au mercure. Donc, je ne vais pas tous les lire parce que le questionnaire est sur mon site, mais l'aspartame peut provoquer des problèmes de vue, donc des taches dans le champ de vision, la vue qui baisse, forte sensibilité à la lumière, perte de la vue. Des sifflements ou des craquements dans les oreilles, d'où aussi une forte sensibilité au bruit. Ça va très très loin. Donc les gens vivent avec des bouchons dans les oreilles, surtout pour dormir ou même pour ne pas... J'ai une maman qui mâchait ça.
elle mettait des bouchons dans les oreilles pour pas entendre ses enfants dessiner sur des feuilles de papier dans le RER. Et après, ça l'incommodait. Elle est partie s'asseoir ailleurs pour pas voir ses enfants dessiner, qui faisaient pas de bruit, ils étaient trois. Donc là, j'étais lui taper sur l'épaule, elle a enlevé son bouchon. Et elle a compris qu'elle souffrait de ça à cause de ça. Donc voilà, trois enfants. Ça rend les parents psychorigides. Ça provoque des troubles psychiatriques assez importants. Migraine, vertige, tremblement, crise d'épilepsie, convulsion, fatigue chronique, insomnie ou problème pour s'endormir. J'ai vu une jeune fille aujourd'hui qui avait de graves problèmes de sommeil. Réveil dans la nuit, donc on va aux toilettes parce qu'on ne retient pas ses selles et on a soif, on va boire des boissons light parce que l'eau, c'est pas bon et on n'arrive plus à s'endormir. Donc le matin, on se réveille, on a du mal, on rate le bus pour aller au collège ou on devient agoraphobe. L'agoraphobie est principalement provoquée par les boissons light parce que d'après le professeur donc Ralph Walton à New York, parce qu'on a vu beaucoup des agoraphobes aux boissons light, des sous-marques et des grandes marques, il me disait que ça doit être le mélange caféine et aspartame qui aggrave les troubles de la personnalité. Et on dit rien. Donc ça peut aussi faire essoufflement inexpliqué, ah oui, au niveau de la psychiatrie, irritabilité, trouble de l'élocution, dépression, tentative de suicide, changement de personnalité, trou de mémoire, confusion mentale, douleur inexpliquée au visage, aggravation des phobies, des TOC, c'est extraordinaire les TOC que ça provoque, des obsessions pour l'argent, le pouvoir, le rangement, la propreté, la paranoïa peut être aggravée, voire aller jusqu'à la paranoïa aiguë. La peur de la hauteur, l'obsession sexuelle, l'hypersexualité, ça provoque des courts-circuits. C'est très bien expliqué dans ce livre, la page 192. Et donc, la personne sent la crise arriver, on appelle ça une attaque cérébrale aussi, et donc elle se sent cette colère monter et elle ne peut pas s'en empêcher. Donc, j'ai des mamans qui me disent « j'étais pas méchante avant, je suis devenue ». Et dans ce livre donc, du neurologue Dr. Blaylock, on voit que ces attaques cérébrales arrivent souvent dans la partie frontale du cerveau, qui peut donc résulter en crise d'hypersexualité, crise soudaine de déjà-vu, crise de violence, de comportement violent assez rapide, et ça affecte le comportement de la personne de plus en plus. Donc il faut vraiment informer les gens, il est grand temps. On peut avoir une rupture d'anévrisme, tumeur au cerveau, maladie d'Alzheimer ou de Parkinson aggravée, voire provoquée, changement de personnalité, on l'a dit, essoufflement au niveau de la cage thoracique, palpitations, douleurs dans les côtes, problèmes d'hypertension, arrêt cardiaque, ça il y en a plein. Douleur au ventre, nausées, diarrhée. Quand on achète des chewing-gums, on voit souvent une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Je vous garantis que c'est vrai, on fabrique aussi en France des médicaments à l'aspartame pour provoquer les diarrhées chez les gens qui sont constipés à cause des antidépresseurs. Pardon. Mais l'aspartame aggrave la dépression, c'est nerveux, je rigole, mais c'est très grave. C'est affolant, quoi. Donc, on ne voit pas, c'est écrit trop petit, mais on consomme quand même et on a des diarrhées, on ira chercher des médicaments pour constiper. On a des gaz aussi. Prévieillissement de la peau, c'est à cause de l'aspartame qui se dégrade en formaldéhyde dans le corps, qui prévieillit la peau et qui fait grossir. Ça fait des cernes sous les yeux, surtout chez les enfants. Forte démangeaison inexpliquée, parfois jusqu'au sang. Cloques pleines qui s'en remplissent de liquide blanc, c'est plus rare, mais j'en ai vu. Roséoles, boutons qui cicatrisent difficilement. J'ai vu plein d'adolescents et d'enfants aujourd'hui avec des boutons surtout au niveau du front. Donc, ils mettent une frange, un foulard, ils cachent. Mais quand les cheveux tombent aussi à cause de l'aspartame, et du coup, on n'a plus de frange, on met un foulard ou un truc. Et puis, on achète des crèmes pour ces boutons qui s'accumulent là et qui ne cicatrisent une fois qu'on a arrêté l'aspartame. Donc, n'achetez pas des crèmes, arrêtez les chewing-gums. Cheveux de plus en plus fins, donc ça fait des calvities. Depuis 2006, les doses ont dû augmenter car j'ai vu des petites filles de 5-6 ans qui ont des chutes de cheveux sur le dessus de la tête jusqu'à avoir des petits trous, des fois, de la taille de ça. Là. Donc la maman, dans ce cas-là, avait mis des barrettes pour cacher la calvitie de sa petite fille et elle avait un chewing-gum sans sucre à la bouche. Donc je suis intervenue. Pour moi, si je ne fais pas à cet âge-là, c'est non assistance à personne en danger, comme devraient le faire tous les gens qui sont au courant au ministère de la Santé et qu'ils ne font rien. Ils sont tous coupables. Gonflement de la bouche, gonflement de la langue, caries, déchaussement ou rétraction des gencives, alors que c'est censé protéger la santé de vos dents. C'est grave, c'est vraiment grave. Et donc, en forte dose, oui, on a les gencives qui s'affaissent et les dents qui tombent. Mais à un certain âge, elles ne repoussent plus. Donc, faut arrêter. Au niveau du poids, l'aspartame fait grossir, surtout par ses produits. J'ai des cas en France avec des jeunes, surtout de 20-25 ans, après 2, 3, 4 ans de boissons light, jusqu'à 5 litres par jour. Je dis bien 5 litres, ça commence par 2-3 canettes. Ça finit par 1,5 litre, 2 litres par jour. Là, j'ai des cas qui sont à 135, 140 kilos, sans obèses dans la famille. Qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là? On les envoie maigrir dans les centres d'amaigrissement. On leur conseille les édulcorants pour maigrir. Ils rentrent chez eux, ils en prennent encore. Ils reprennent tous les kilos qu'ils ont perdus en cure.
Donc on les envoie à Paris, à l'hôpital, pour faire de la chirurgie réparatrice. Et on met des ballons ou des anneaux gastriques dans l'estomac pour que l'enfant qui a 15 ans et qui fait 157 kilos, il y a eu des cas en France, eh ben il mange moins. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est de la prévention au niveau des enfants, tant qu'ils ne sont pas obèses, pour expliquer, voilà, si vous mangez ça et si vous en mangez trop, vous pourrez avoir des troubles du comportement, de l'obésité, etc. Donc les enfants, cet après-midi, je leur ai montré donc ce livre. Je leur ai montré la photo de ce petit rat qui montre bien un rat nourri au glutamate monosodique et un rat sans glutamate monosodique. Et vous voyez bien que le rat au glutamate, il est gros. Or, l'être humain est beaucoup plus sensible, au moins 10, 15, voire 50 fois plus sensible à ces produits-là que le rat. Et l'être humain, il ne mange pas que du glutamate, il mange aussi de l'aspartame, il mange aussi des colorants, des tas de produits, des huiles, des graisses hydrogénées, des tas de choses qui font grossir. Et donc, d'où l'épidémie mondiale d'obésité et de diabète à cause de, entre autres, cet ingrédient. Donc du coup, sous l'effet de la boulimie, ben, on mange. Si vous prenez un paquet de cigarettes, il y a bien marqué « fumer tue ». Et il y a un journaliste français qui s'appelle William Raymond qui explique bien aussi que manger peut tuer. Mais ça, on ne va pas le dire. Donc vive l'agroalimentaire en France qui nous fabrique le tas de choses pétillantes. Vous pouvez gagner par exemple un week-end en Laponie, dans des emballages qui pétillent. Et là, vous voyez, il y a bien marqué la marque. Et derrière, les ingrédients sont vert sur vert. C'est quasiment pas lisible, c'est abominable. Donc il faut vraiment informer les gens. Et en faisant de la prévention, on peut s'en sortir. Bon, tous les symptômes de l'aspartame sont sur mon site. Une fois qu'on a mangé trop de ces produits-là, si on arrive à des poids à 140, 150 kilos, idéalement, il faut faire un régime accompagné. Ou alors, pourquoi pas, comme beaucoup l'ont fait aux États-Unis et que ça commence en France, passer à une alimentation crue. Donc, si vous regardez le film « Raw for 30 Days » en anglais, qui est sur mon site et en sous-titré en français dans le dossier diabète, vous sortez des mouchoirs pour pleurer de joie. Ce sont un groupe de diabétiques qui se mettent à l'alimentation crue pendant 30 jours et qui commencent à guérir de leur diabète, à avoir des pancréas qui refonctionnent et à perdre des kilos et des kilos et des kilos. Seulement, ils sont isolés en pleine campagne, sans supermarché à leur portée et ils n'ont droit qu'à une alimentation vivante, sans produits laitiers, sans viande, sans café, sans œufs, sans machin. Tous ces aliments qui engendrent aussi le diabète. Et donc, c'est un film extraordinaire, malheureusement, qui n'a pas été tourné en France avec des diabétiques français, mais avec des Américains. Nous sommes tous des êtres humains sur cette planète pour le moment. Et à part le langage ou le mode de vie, on n'a que ça qui diffère. Donc ici, je vais vous montrer les photos d'une dame avec son autorisation, bien sûr, qui s'appelle Danielle et que j'ai rencontrée en avril 2006 à mon stand. Elle avait un corset au niveau des hanches, des cannes. Elle avait la peau toute abîmée, les cheveux abîmés, assez agressive dans son comportement. Et elle est arrivée à mon stand en me disant « Qu'est-ce que vous faites avec des édulcorants sur la table? C'est pas bon pour la santé, vous êtes dans un salon bio. » Je lui ai dit « Mais calmez-vous madame, j'ai écrit un livre et j'apprends aux gens à lire les étiquettes car il y a des gens qui mangent bio et qui à côté mâchent des chewing-gums ou prennent d'autres produits à l'aspartame. Moi j'ai une maladie, ça n'a rien à voir avec l'aspartame. » Alors je suis « Ah bon, vous avez quoi madame? Si c'est pas indiscret. » Elle me dit « Je souffre d'une fibromyalgie. » La fibromyalgie peut avoir différents effets. Ça peut être un coup de stress, ça peut être une intoxication à d'autres produits. Mais si on a consommé ces bonbons-là tous les jours pendant 15 ans, jusqu'à une boîte, voire plus par jour, l'aspartame peut engendrer des scléroses en plaques, surtout par les boissons ou des fibromyalgies ou d'autres pathologies du système nerveux. Donc cette femme prenait plein de médicaments, elle avait des douleurs de partout. Là, elle avait des cannes et un corset. Mais quand elle avait trop mal, c'était déambulateur et fauteuil roulant. À qui rapporte ces maladies? Donc j'ai promis à cette femme, j'étais très choquée de la voir comme ça. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous êtes venue faire là ?» Elle me dit « Je cherche quelqu'un pour m'aider pour ma maladie. » Et dans ma tête, je lui ai dit « Tu m'as trouvé, c'est moi. » Pour moi, tous les symptômes qu'elle avait étaient typiques de l'aspartame. Et donc, elle s'est penchée sur la table, elle a vu la boîte à 2,20 m. Elle n'arrivait pas à lire la marque. Elle me dit « C'est quoi la boîte jaune là-bas? J'y vois mal. » Elle y voit mal parce que l'aspartame, comme vous savez, fait baisser la vue. Et donc, du coup, elle s'est penchée sur la table. J'ai expliqué « C'est des bonbons suisses bienfaisants au citron de cette marque-là. » Elle me dit « Mais il n'y a pas d'aspartame dedans. » Il y avait du monde devant le stand. Et je regardais, je fais « Je suis désolée madame, si c'est sur mon stand, c'est qu'il y en a. » « J'en ai mangé pendant 15 ans. » Disons, il a regardé, il ne voulait pas lui ressembler, il faisait « Donc la pauvre femme, je l'ai assise sur la chaise. J'ai mis des dossiers en français sur le sujet. Elle était choquée. Elle tremblait. Elle me disait « Je dansais le rock'n'roll toute la nuit parce que je n'arrivais pas à dormir. » J'allais toujours chercher ma boîte de bonbons, je revenais chez moi si j'avais oublié, et j'avais toujours un bonbon dans la bouche pour danser. Donc là, avec les cannes et le corset, la danse était finie.
Et puis au bout d'un moment, je me suis retournée, je lui ai dit, madame, je vais vous aider. Je trouverai tous les thérapeutes qu'il faut pour vous désintoxiquer jusqu'au jour où vous redanserez le rock'n'roll. Puis pourquoi t'as dit ça si ça marche pas? Parce que je connais Corey Brackett, la réalisatrice du film Faux sucre, vrai scandale, qui est totalement remise d'une sclérose en plaques après 20 ans de boisson light. Elle est en photo aussi là, donc elle a un site internet. Elle a fait ces deux films. Donc elle a fait Sweet Misery, donc Faux sucre, vrai scandale. Et elle a fait aussi le film Sweet Remedy, ce qu'on peut faire une fois qu'on a mangé du glutamate, des OGM ou de l'aspartame, car ça en fait partie. Et ce film, le deuxième, n'est toujours pas en français. Donc du coup, j'ai trouvé une thérapeute qui est là, habillée en vert, qui a aidé Daniel à remarcher progressivement. Ça, là, on est en février 2007, donc Daniel marche. Je l'ai gardée une semaine chez moi, parce qu'elle pouvait avoir des petits soucis, mais elle vivait seule. Donc je l'ai gardée chez moi, parce que moi aussi, j'étais seule, vu qu'on m'avait enlevé mes enfants pour me faire taire, entre-temps. Et donc du coup, j'ai aidé cette femme tous les jours pour trouver des thérapeutes, pour prendre ses rendez-vous. Et je l'avais même amenée donc à Paris pour faire ses soins avec cette naturopathe. Et les photos suivantes ont été prises en octobre 2007, un an et demi après l'avoir rencontrée. Et quand je montre ces photos, je les montre à des milliers de gens, ils sont là. Alors on va faire comme aux gens. 1, 2, 3. Et Daniel danse le rock'n'roll. C'est moi qui ai pris ces photos. C'est moi qui l'ai filmé. C'est moi qui ai dansé avec elle. Je ne suis pas très douée en danse. C'était un bonheur extraordinaire. Vous avez l'impression d'avoir une pluie d'étoiles qui vous tombe dessus. Et le sourire et l'énergie de cette femme, c'était incroyable. Inimaginable. Donc la peau est raffermie, elle a rajeuni, les cheveux ont repoussé. Le sourire est là. Alors qu'avant, c'était une grimace de douleur permanente, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, Daniel danse aussi le tango argentin. C'est une des meilleures danseuses de sa région et elle est très courtisée comme vous. Donc tout le monde est assez surpris car il y a 7 ans, elle était avec un fauteuil déambulateur et canne. Elle n'a jamais repris un bonbon empoisonné à l'aspartame de sa vie, mais il a fallu dépenser beaucoup d'argent pour nettoyer ce corps, le désintoxiquer avec des produits naturels. Ça demandait beaucoup d'efforts. Donc voilà, ça c'est une belle histoire. J'en ai encore plein. J'aimerais faire un film avec ces gens qui ont survécu. Non pas seulement pour montrer les gens qui en sont morts, parce que c'est trop triste, mais montrer les gens qui ont survécu et qui ont eu la volonté d'arrêter de consommer ces produits qui rendent addictifs, qui rendent accro. Ça prouve des addictions terribles. Et donc ça aussi, ces bonbons aussi qui sont farcis d'arômes contenant du glutamate et qui contiennent aussi, comme vous le voyez, sur cet horrible bocal, de la gélatine de porc récupérée dans tous les abattoirs d'Europe pour en fabriquer une poudre blanche. Et dans le dossier gélatine sur mon site, dans le coin des enfants, cette poudre blanche est revendue à peu près 5 euros le kilo à des marchands de bonbons gélifiés qui mélange ça avec des arômes, des acides et des colorants, comme vous le voyez, tous de synthèse ou presque, pour les revendre à 35 euros le kilo en général l'été sur les marchés à des enfants qui se disputent les bonbons. Moi, je veux le bleu, je veux le jaune, je veux le vert. Le colorant n'a pas de goût, c'est l'arôme. Et l'arôme, c'est du glutamate. Et donc après, ça donne des enfants avec des cancers ou des personnes âgées avec des pathologies, du trouble, des cancers aussi ou des troubles du système nerveux. Donc voilà, j'ai besoin d'aide pour qu'on informe au maximum ces gens, les enfants d'abord, les parents, les jeunes parents qui veulent savoir la vérité et les personnes âgées qui consomment aussi ces produits, car ils ont le droit de le savoir. Et c'est clairement expliqué dans la Convention internationale du droit de l'enfant que j'ai rajouté dans mon livre, où l'article 17 et 24 expliquent bien que l'État et les médias ont le devoir d'informer les consommateurs. L'État et les médias doivent aussi... La Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU du 20 novembre 1989 précise à l'article 17 que les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, donc trouble du comportement à cause de ces produits, ça en fait partie, spirituel et moral, ainsi que sa santé physique et mentale. Ces produits agissent sur la santé physique et mentale, tout ce que j'ai sur la table. Si vous voulez rendre votre enfant monstrueux, donnez-lui un paquet de ça. Les médias n'ont pas transféré ces informations et les enfants continuent à manger tout ça. L'article 24, dit bien que les États, donc le gouvernement, doit faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant. Elle est où l'information en France? On ne dit rien. R-I-E-N. Donc c'est un grand bonheur de faire des ateliers pour des enfants comme on a fait hier et aujourd'hui.
pour leur faire chasser les additifs, les colorants, les édulcorants, les machins, les trucs. Et ils ont du mal des fois à trouver le mot qui est caché sur le côté. Et donc, du coup, on met tout ça à la poubelle. Et après, on mange un petit dessert qu'on fait soi-même, sans additifs, sans acide citrique, sans vitamines de synthèse, car on n'a pas besoin de tous ces produits-là quand on mange des aliments frais et, sans, si possible, sans pesticides. Donc, voilà. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur mon site ou m'envoyer un petit mail. Aidez-moi à faire passer le message, car des millions de gens sont en danger en France à cause de cette malbouffe qui ne sont que des marchandises à boycotter, comme c'était dit dans le film de Colin Serrault, qui s'appelait « Solution locale pour un désordre mondial ». Et donc, voilà, vous êtes les patrons de ces gens-là, vous leur donnez de l'argent, vous votez pour eux quand vous achetez ces produits. Il ne tient qu'à vous d'acheter autrement, de consommer intelligemment, d'acheter vos produits frais, si possible locaux, auprès des gens qui les font pousser ou qui les cultivent ou qui les élèvent, et selon vos choix. Et donc, du coup, de donner de l'argent à des gens qui vont pouvoir produire mieux pour vous, qui consommeraient mieux. Voilà. Bonne santé à vous, surtout à vos enfants.